vers Dumais. Ça reviendra finalement jusqu'à la ligne bleue. Golicic qui vient chercher. Il n'y a pas d'option pour Golicic. Voilà, c'est fait pour Wald. Wald s'avance un tir. La barre transversale. On vient de frapper la barre transversale à la droite du gars. J'ai écouté le hockey des Olympiques. New Dura, maçonnerie des pauses, 187, Outaouais. Le gardien en lançant dans son patin. Rondelle qui va revenir à McLean, à la ligne 2. Tir de McLean, partiellement bloqué, récupère la rondelle, passe dans la cave à l'évêque, tir de l'évêque, stoppé avec la jambière droite. Le bel arrêt de la part du gardien des Islanders. Le jeu là, en défensive pour les Islanders. Rondelle qui s'amène tout près du gardien, stoppé par Golicic. Passe et c'est Boutin qui va s'échapper. Boutin seul, s'avance, fin de tir. C'est stoppé par le gardien à la dernière seconde. Vient fermer les jambières, à regarder derrière lui pour voir si cette rondelle était passée. Il utilise sa vitesse, se défait de son couvreur, a tout le temps voulu pour prendre ce tir, vise... La première période, c'est toujours 0-0, la marque. 7 tirs au but par les Olympiques, il y en a 3 chez les Islanders. Michel s'amène, tir de Michel, stoppé. Et il y a le gardien Pelletier là, qui vient... mettre la grosse mitaine sur le 10 pour ne pas aller plus loin. Sur peut-être ouais. Que je peux la décrire comme la meilleure chance des Islanders qui ont été assez timides en attaque ouais. Depuis le début de cette... Passe transversale, ça reviendra vers l'évêque. L'évêque doit faire vite. On s'amenait rapidement en échec avant. Rondelle qui va venir. Il faut s'assurer de bien commencer parce que c'est un peu un tir de la part des Islanders. Morneau était seul qui est libre et ça reviendra à Boutin. Boutin va s'avancer. Pousse devant, il y aura une course, Mainville va gagner cette course. Tire de Mainville, c'est stoppé, l'évêque tire. Oh, quel arrêt de la part de Hozos qui est venu sortir la mitaine. L'évêque croyait avoir un filet complètement ouvert. La gobeuse qui vient voler le 11e du numéro 11. Bon jeu de la part de Boutin qui connaît la vitesse de ses coéquipiers sur son trio. D'abord Mainville qui gagne sa course, mais le gardien qui est bien avancé. Et ensuite, en deuxième vague, Nathan Lévesque, du patin, reprend cette rondelle et ensuite tente de l'insérer dans la partie supérieure. Alors que Ozols était Flanagan plutôt qui a été bousculé. Heureusement pour les Olympiques, il n'y aura pas de pénalité. C'est lui, Flanagan, avec l'ondelle. Stoppé par Maisonneuve. Boutin, d'une seule main, pousse devant. Stoppé par Lévesque. Lévesque qui s'amènera avec Mainville. Passe à Mainville, tire! Et Jérémy Mainville vient marquer, c'est 1-0 Gatineau. Et c'est Mainville qui a permis à cette attaque de se construire pour les Olympiques. Grosse mise en échec en zone neutre, ça permet à l'évêque de prendre cette rondelle, s'amener sur la droite et ensuite Mainville utilise sa vitesse pour contourner son couvreur, le battre de vitesse. Et la troisième fois est la bonne, on réussit à battre le gardien entre les jambières. Oui. Jérémy Mainville. Sur une passe, Nathan Lévesque. 19 ans la saison dernière, Morneau. Voilà, sorti, c'est Maisonneuve qui s'amène. Maisonneuve qui a remis. Maisonneuve, là, on s'est échangé le 10. C'était quand même assez coquin. Les deux défenseurs étaient rendus à l'attaque. Et goal! C'est Lévesque qui voit une rondelle libre s'amener sur son bâton à simplement qu'à faire pousser. Et c'est 2-0 Gatineau. Jeu très bizarre. Il y a eu cet échange entre... C'était Boutin également, Maisonneuve tout près du filet. Rondelle ensuite qui revient devant avec la combativité de Maisonneuve à travers trois Islanders. Rondelle sautillante qui se retrouve à la gauche du gardien Ozols et c'est l'évêque. La contre-attaque des Islanders, là, on s'amène. Hawkins plutôt qui a mis derrière. Passe qui reviendra à Michel. Michel s'avance, un tir, stoppé, retour. Et encore une fois, on s'est bien fait. Là. Et c'est Maisonneuve qui vient sur la dernière séquence. Michel qui a profité de la circulation devant le filet, mais surtout de l'espace qu'on lui donnait pour savoir. Invitation entre Mainville, Lévesque maintenant. Lévesque passe à McGilvery autour de Boutin. Il faut faire attention, là, on va se terminer. Voilà la pénalité qui se termine chez les Islanders. Contre-attaque, c'est Morneau qui contre-attaque rapidement, 3 contre 1. Morneau passe à sa droite. Il n'y a plus de gardien. Quel arrêt de la part de Pelletier qui vient sortir la jambière droite pour stopper. Arrêt important. Et contre, Morneau qui vient marquer. Avec une 31 à faire, on est venu prendre partie supérieure, Yannick. Mais quel arrêt juste auparavant pour le gardien Pelletier. Oui, Giovanni Morneau qui vient marquer son quatrième de la saison. C'est la minute Big Mac.
Ondel Golitchuk qui a tenté un dégagement. On est tout près de la ligne bleue. Ondel qui va revenir à Maisonneuve. Voilà Maisonneuve qui a remis. C'est pour Mainville. Tire de Mainville. Et goal! Mainville vient sceller l'issue. Et on marque un troisième but pour les Olympiques. Belle présence d'esprit de Jérémy Mainville qui s'assure de passer la ligne centrale avant de tenter le tir au filet qui fonctionne. 3-1 les Olympiques. Il ne reste plus qu'à se défendre pendant 44,5 secondes. Et Luc, des Big Mac pour tout le monde ici. Oh-oh! Au centre, Slush Poppy. Et c'est un deuxième ce soir pour Mainville. Un dixième cette saison.